Toute beauté n'est pas perdue, c'est mon 8e disque. Le fait de se rassembler avec un band pour présenter les nouvelles chansons, c'est comme une espèce de fête pour nous autres. Une année complète sans faire de spectacle, ça fait prendre conscience que c'est un métier qui est fragile. Paradis de la banlieue, n'a pas tenu promesse, non. J'ai jamais rien pris pour acquis dans ce métier-là, puis ça, je suis quand même très fière de ça parce que je me réveille pour me dire à quel point je suis privilégiée de le faire, OK? Puis on dirait qu'avec la pandémie, ça l'a décuplé tout ça. Si tu chadoves cette tune-là, mon gars. Capter une performance humaine, pour moi, c'est pas la norme pour tout le monde, mais pour le genre de musique que je fais, j'ai beau essayer de faire d'autres choses, je reviens toujours là. C'est, des fois, c'est nécessaire de faire le tour puis d'avoir essayé l'inverse, ouais. Juste pour confirmer que, OK, finalement, c'est ça que ça prenait tout le long. Si tu penses que ça marche vraiment pas, moi, j'aime vraiment ça que tu me dises. Non, mais c'est de la synonyme. C'est dur de l'entendre, mais il faut que je réussisse aussi, des fois, pas toujours peut-être, mais des fois, à mettre mon ego de côté. Peut-être qu'à certains moments, j'ai été trop raide, je savais pas comment faire. Mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. C'est précieux, j'ai joué deux tonnes, moi, je joue ma vie. Quand t'es là, c'est ça qui fait que ça sonne comme un band. Parce que sinon, tu sais, des musiciens professionnels, souvent, ils sont tellement bons que c'est plate. Toi, t'as l'avantage de pas être trop bon, mais que c'est pas plate. On est quand même dans un moment de la vie où on dirait que c'est soit tout est blanc ou tout est noir. C'est vraiment un disque où je trouvais ça beaucoup plus intéressant d'aller vers tout ce qui est gris.